La nuit des étoiles, épisode 10, adaptation. Maman, même si on retrouve notre forme humaine... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Arcas ? Eh ben, avant, on doit quand même survivre avec notre forme d'ours. Oui, ce n'est que temporaire, ne t'inquiète pas. Tu ferais bien d'écouter ta fille, Callisto. Mais je suis sûre que Draco te raisonnera bien. Écoute, Callisto, on ne sait même pas si vous allez trouver ce moyen de retrouver votre forme humaine. Et si vous le trouvez, on ne sait pas combien de temps il nous faudra pour l'atteindre. Le plus sage serait de s'adapter à la vie d'ours que vous allez toutes les deux mener ces prochains jours. Et ces prochaines années. Il a raison, maman. On ne peut pas baser notre vie sur une incertitude. Je sais, mais j'aimerais tellement pouvoir retrouver ma forme humaine. C'est une humiliation quotidienne pour moi d'avoir cette apparence. Et je ne veux pas que tu passes toute ta vie en ours. Ne t'inquiète pas, maman. On va s'adapter et tout va bien se passer. Et je peux vous aider. Vous n'êtes pas seule. Elle me ferait presque lâcher une larme. Si elle n'était pas allée voir Zeus. Percé ! Je suis si contente de t'avoir retrouvée. J'étais seule et perdue, mais tu m'as retrouvée et sauvée une nouvelle fois. Moi aussi, Andromède, je suis contente de te retrouver. Ma vie s'illumine de nouveau. Qu'est-ce qu'ils sont écœurants, ces deux tourtereaux. Les parents m'ont l'air bien plus intéressants. Qu'allons-nous faire maintenant dans ce monde perdu? Je ne sais pas, notre futur ne peut être plus incertain qu'en ce moment présent. Puissent les dieux nous venir en aide. elle est bien bonne, celle-là. Que je vous aide, après que vous m'ayez menti. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que ce monde n'est pas aussi hostile que vous l'imaginez. Et nous pouvons y vivre. Voyez le positif! Nous sommes tous les quatre unis et nous allons bien. Maintenant, nous n'avons qu'à maintenir cet état et nous adapter pour vivre. Oui, sûrement. Espérons que tu aies raison, ma fille. Ah, mais quelle bande de pleurnichards! Allons, ne partons pas défaitistes! Venez, il faut que l'on trouve un lieu pour nous installer et nous organiser. Heureusement que Percé est là pour vous aider. À demain pour installation. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.